Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle série d'émissions retraçant les grands moments de notre histoire en dix dates clés qui ont marqué le destin de notre peuple. La série Dix Journées qui ont fait le Québec. Mon nom est Sébastien Ricard et il me fera plaisir d'animer cette série. Aujourd'hui, pour notre toute première conférence, un homme qui n'a plus besoin de présentation, un vulgarisateur hors pair, un homme de lettres, auteur et historien émérite, M. Jacques Lacourcière. Le titre de sa conférence, La Fondation du Québec, le 3 juillet 1608. Merci, M. Ricard. Bonsoir. Effectivement, il va être question du 3 juillet 1608, parce que depuis ce jour-là, donc depuis le 3 juillet 1608, il y a toujours eu en Amérique du Nord une présence francophone. Le petit poste de traite du début deviendra non seulement la capitale de la Nouvelle-France, mais aussi... Et pendant un certain temps, celle du Canada uni, puis celle de la province de Québec. Déjà, le 22 juin 1603, Samuel de Champlain avait visité Québec. Il était alors accompagné de François Gravé-Dupont, le capitaine du navire à bord duquel le futur père de la Nouvelle-France faisait la traversée. Gravé-Dupont est un personnage important, tant à la fin du XVIe siècle, qu'au tout début du siècle suivant. Il sera présent à Québec lors de la capitulation de l'endroit aux mains des frères Kirk en 1629. Pour Marcel Trudel, et je le cite, Son amitié indéfectible pour Champlain, les services personnels qu'il a rendus au Récollet, l'aide qu'il a parfois apportée à l'exploration alors qu'il n'était chargé que de la traite, sa popularité auprès des sauvages, font de Pont-Gravé un personnage fort sympathique. L'historien Denis Vaujois, qui est ici ce soir, parce que c'est mon chauffeur, considère qu'il mériterait bien plus que Pierre dugas -de -Mont, le titre de cofondateur de Québec. C'est sans doute Gravé-Dupont, qui serait à l'origine de l'apparition des toponymes Québec et Trois-Rivières sur la carte de 1601 de Guillaume Levasseur. En 1603, Champlain, visite la vallée du Saint-Laurent comme invité des morts de chaste, le titulaire du monopole de commerce. Gravé Dupont ramenait deux Montagnais que Pierre de Chauvin de Tonothuy avait amenés avec lui en France l'année suivante pour le présenter au roi Henri IV. Après les réjouissances d'usage chez plusieurs nations indiennes, un des deux Montagnais prend la parole pour raconter la réception que lui et son compagnon ont reçue à Paris. Et le bon traitement, c'est ce qu'on trouve dans l'ouvrage de Samuel de Champlain. Il souligne que, et encore une autre citation, « Sa dite majesté leur voulait du bien et désirait peupler leurs terres et faire paix avec leurs ennemis, qui sont les Iroquois, bien entendu, ou leur envoyer des forces pour les vaincre. » Fin de la citation. Puis, « Ce fut au tour Bijou, le chef des Montagnais ou Innu de la région, de prendre la parole. » Selon Champlain, il dit qu'il était fort aise que sa dite majesté peuplât leurs terres et, et fit la guerre à leurs ennemis, qu'il n'y avait point nation au monde à qui il voulait plus de bien qu'aux Français. Analysant les propos d'Anna l'historien Alain Beaulieu parle de pacte, parce qu'on peut se demander si Québec est né d'un pacte de tolérance ou d'acceptation. On ne sait pas trop. Mais Alain Beaulieu lui parle de pacte avec un point d'interrogation. La question est importante, puisque l'on peut se demander si la Fondation de Québec fait partie de ce prétendu pacte et se situe en territoire revendiqué par les Montagnés. Pour Beaulieu, il s'agit bien d'un pacte. La rencontre diplomatique de 1603, écrit-il, constitue un événement historique de grande importance qui contribue a jeté les bases d'un réseau d'alliances franco amérindiens Cette rencontre ouvre aussi la voie à un établissement d'une colonie française en Amérique du Nord et elle établit les fondements de la politique indienne de la France dans cette région, une politique où les Français aspirent à jouer un rôle d'arbitre parmi les nations autochtones. Ce rôle leur sera finalement reconnu en 1701 lors de la Grande Paix de Montréal. Pour l'historienne Olive Patricia Dickerson, il ne fait pas de doute qu'il s'agit bien aussi d'un pacte. À l'époque, je cite, Champlain se joint aux célébrations de la victoire sur les Iroquois à l'invitation du chef montagnais, Anada Bijou. Vous savez, Anada Bijou, il y a une montagne qui porte son nom depuis déjà quelques années. Et conclut, avec lui, et les siens, un pacte d'amitié en vertu duquel les Français peuvent s'établir en pays montagnais, mais sans qu'il soit question d'un droit de propriété. » de la C'est lors de ce pacte que Champlain fume son premier calumet de la paix. Trouve-t-il, comme son prédécesseur Jacques Cartier, que le tabac goûte la poudre de poivre Cartier qui disait des Indiens qu'il s'emplissait tellement le corps de fumée qu'elle leur sortait par les narines comme par un tuyau de cheminée. Assez vite, la culture du tabac se répandra en Europe. Même si Louis XIV méprise les tabatières pendant un certain temps, l'usage du tabac se voit recommandé par les médecins européens pour des raisons thérapeutiques et se répand dès le XVIIe siècle. Évidemment, le tabac ne guérit rien, mais le mal est fait et les gens en sont maintenant accros. Et même les femmes de la cour en viennent à fumer la pipe sans se cacher. Mais revenons à Québec et à Samuel de Champlain. Dans son ouvrage Des sauvages. Où l'auteur raconte son voyage, Champlain décrit ainsi le site de Québec. Nous vîmes mouiller l'ancre à Québec, qui est un détroit de la dite rivière de Canada. La dite rivière de Canada, c'est le nom que portait à ce moment-là le fleuve Saint-Laurent, qui a quelques 300 pas de large. Il y a ce détroit du côté du nord, une montagne assez haute qui va en abaissant des deux côtés. Tout le reste du pays est uni et beau où il y a de bonnes terres pleines d'arbres comme chênes, cyprès, boules, c'est-à-dire les bouleaux, sapins et trembles, et autres arbres fruitiers, sauvages et vignes, ce qui fait qu'à mon opinion, si elles étaient cultivées, elles seraient bonnes comme les nôtres. Il y a, le, je consulte la citation, il y a le long de la côte du Dit Québec des diamants dans des rochers d'ardoise qui sont meilleurs que ceux d'Alençon. Fin Soulignons que lorsque Champlain parle de diamants qu'il compare à ceux d'Alençon, il ne s'agit pas de vrais diamants, mais bien de cristaux de roche. Rappelez-vous que le, le cap au diamant doit son nom au fait que Jacques Cartier aurait pensé en 1541-1542 euh, que c'était vraiment des diamants, alors que c'était vraiment euh, à ce moment-là du quartz. Et c'est là que va naître en France. Euh, le dicton faux comme diamant de Canada. <coughs> Malgré qu'on a trouvé encore, là je sors un peu de mon texte, mais on, on a trouvé euh, dans ce qui va s'appeler euh, le plan nord, euh, des mines de diamants. Bon. <laughs> Champlain. <applause> on ne sera pas riche pour autant, faites-vous-en pas. Il y en a qui vont piger dans le paquet avant nous. Euh, Champlain et gravé Dupont sont de retour en France le 20 septembre de l'année 1603. Ils apprennent alors qu'Émort de Chaste est décédé depuis quelques mois. Du héritera de son monopole au début du mois de novembre avec le titre de lieutenant général. Sa commission précise que sont concernées et je cite les côtes, terres et confins de l'Acadie du Canada dit autre lieu en Nouvelle-France. Il y a aussi pour lui l'obligation d'établir dans sa colonie 60 nouveaux colons chaque année. Pour financer son projet d'établissement, dugas Mont met sur pied une compagnie commerciale qui regroupe des actionnaires de plusieurs ports de France. Comme il garde un mauvais souvenir de son voyage à Tadoussac, en 1600, il songe à un établissement plus accueillant, plus facilement défendable et situé sur les côtes de l'océan Atlantique. Cata Champlain, son choix favorisait un endroit sur le fleuve Saint-Laurent, peut-être Québec. Dans son imposant ouvrage sur le rêve de Champlain, David Hackett Fisher écrit à ce sujet. Champlain était attiré par la vallée du Saint-Laurent à cause de son grand fleuve et de l'abondance des fourrures. En remontant le fleuve, plaidait-il, on se rapprocherait du sud avec son climat plus chaud et ses terres plus fertiles. Et si l'on se fiait aux témoignages des Indiens concernant les grandes masses d'eau à l'ouest, on trouverait peut-être de ce côté un passage vers la Chine. Il ne faut pas oublier que Jacques Cartier cherchait le, le chemin qui l'aurait conduit en Chine. Samuel de Champlain va chercher le chemin pour le conduire en, en, en Chine. Euh, combien d'autres? Même la véranderie euh, va chercher aussi le chemin pour aller en Chine. Bon. Les Chinois ont trouvé le Canada quand même. Bon. Tout comme Jacques Cartier avant lui et bien d'autres après lui, Samuel de Champlain. Euh, rêvait de trouver le chemin qui conduirait au Japon et à la Chine. L'historien français Gilbert Pileuil, qui en 2008 était le secrétaire général de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, écrit dans le numéro d'avril 2008 de Québecensia, de la Société historique de Québec, et je cite: La Nouvelle-France est née le 3 juillet 1608. J'espère que vous allez la prendre, la date. Samuel de Champlain, qui vient d'arriver à Québec, étape ultime de sa troisième traversée de l'Atlantique, retrouve le lieu où Jacques Cartier avait hiverné. Le site est agréable et jugeant cette pointe de Québec d'un grand intérêt stratégique, il ordonne immédiatement d'y bâtir une habitation. Premier habitat permanent en Amérique du Nord, Québec, d'abord modeste habitation, devient rapidement la capitale de la Nouvelle-France, plus tard celle de la province. Et demeure aujourd'hui le centre majeur, avec Montréal bien entendu, de l'Amérique française ou francophone. Comme Dugas-Demont était le chef, c'est son choix qui va triompher. L'Acadie sera donc le lieu de l'établissement. Pour l'historien Marcel Trudel, l'Acadie est un bon choix. Et je le cite Quand les Français reviennent en Amérique du Nord en 1604, écrit-il dans le deuxième tome de son Histoire de la Nouvelle-France, c'est du côté de l'Acadie qu'il se tourne pour chercher un lieu qui réunisse les conditions idéales de colonisation. Proximité de la mer, voisinage d'indigènes dociles, abondance de mines, fertilité du sol et cours d'eau qui puissent mener vers l'Asie. La Comme le voulait le roi Henri IV, le nouvel établissement ne devra accepter que la religion catholique, apostolique et romaine. En permettant à chacun de pratiquer sa propre religion. Les Français s'établissent donc sur une île, l'île Sainte-Croix. La nouvelle colonie ne comprend que des hommes. Peut-être pour ça que ça n'a pas marché. L'endroit est facile à défendre, même si auparavant, ça me fait penser, on a 33 pères de la Confédération, mais pas de mère. Ça, ça explique peut-être les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je reviens à mon texte. Même si auparavant, Champlain avait repéré un autre endroit plus, plus agréable, Demont choisit l'île comme emplacement temporaire. Champlain est quand même séduit par l'île. Un, un lieu, dit-il, que nous jugeâmes le meilleur tant pour la situation bon pays que pour la communication que nous prétendions avec les sauvages euh, de ses côtes et du dedans des terres, écrit-il. Rapidement, on construit une habitation et l'on s'apprête à affronter l'hiver. Craignant une éventuelle attaque, Demont fait installer des canons. Dès le début du mois d'octobre, la neige commence à tomber. Le scorbut fait son apparition. Et sur les 79 Français présents à l'île Sainte-Croix, 35 meurent du mal de terre, c'est-à-dire du scorbut, alors que 20 autres échappent de peu à la mort. Le lieu apparaîtra de plus en plus. Insalubre. En 1613, dans son récit Voyage du sieur de Champlain, Champlain décrira en ces mots les ravages du scorbut. Au cours de l'hiver, beaucoup de nos gens ont attrapé le mal de la terre, c'est-à-dire le scorbut. Ils avaient dans la bouche de grandes plaques de chair boursouflées par des champignons et qui se putréfiaient à tel point qu'ils ne pouvaient pratiquement plus rien avaler qui ne soit très liquide. Leurs dents se déchaussaient tellement qu'on pouvait les arracher avec les doigts sans qu'ils en souffrent. La chair boursouflée était souvent coupée, ce qui les faisait beaucoup saigner de la bouche. La maladie gagnait ensuite les bras et les jambes qui gonflaient, se durcissaient et se couvraient de boutons semblables à des morsures de puces. Ils finissaient par ne plus pouvoir marcher car leurs nerfs se contractaient, ils n'avaient presque plus d'énergie et éprouvaient des douleurs intolérables. Ils souffraient également des crampes, de l'estomac et du ventre, avaient une très mauvaise toux et étaient essoufflés. Nous n'avons pu trouver de remède à ces maux. Ainsi se termine la citation du sieur de Champlain. Décision est donc prise de déménager dans un lieu qui sera beaucoup plus agréable, Port Royal, que Samuel de Champlain avait déjà visité et décrit ainsi l'un des plus beaux ports que j'eusse vu en toutes ces côtes, où il pourrait y avoir 2000 vaisseaux en sûreté. Le déménagement a lieu à la fin du mois d'août 1605. La charpente des maisons, se retrouve à Port-Royal. demont décide de retourner en France, laissant le commandement de l'endroit à Gravet-Dupont. Quatre à Champlain, il demeure dans la région pour faire de nouvelles découvertes vers la Floride. L'hiver 1605-1606 est moins désastreux. Seulement 12 décès, reliés au scorbut sur les 45 Français présents à Port-Royal. L'endroit s'enrichit par l'arrivée d'une cinquantaine de recrues, Accompagnant Jean de Biencourt de Poutrincourt, j'ai bien dit Jean de Biencourt de Poutrincourt. Les Français ont toujours des, des noms en particules. <laughs> j'ai déjà dit, quand j'étais au ministère de l'Éducation, à des Français qui étaient vraiment, excusez-moi le mot, mais emmerdeurs, je leur avais dit, puis c'était tous des gens en particules. J'ai dit Chez vous, Français, ce qui me surprend le plus, c'est que la particule compte plus que la partie tête. On ne m'a pas aimé. Bon. Poutrincourt avait alors le titre de lieutenant-gouverneur de l'Acadie. Parmi les arrivants, il y a Marc Lescarbot, un avocat et poète parisien. Moi, j'ai dit un drapeau avant le temps. Et il y avait aussi l'apothicaire Louis Hébert. Une nouvelle vie commence pour Port-Royal. Et je cite Le sieur de l'Escarbot, affectionné de à cette entreprise, comme pour soi-même, écrit l'Escarbot, met une partie de ses gens en besogne de labourage et à la culture de la terre, tandis que les autres s'occupaient à nettoyer les chambres et chacun à appareiller ce qui était de son métier. Les hivers se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ainsi, celui de 1606-1607, Fut à Port-Royal un des plus joyeux. Le scorbut fit peu de ravages. Champlain avait mis sur pied l'Ordre de Bon Temps, que l'on peut considérer comme le premier club gastronomique en Amérique du Nord. Champlain avait eu l'idée de fonder cet ordre pour lutter contre le fléau du scorbut et la dépression. Marc Lescarbot croyait que cette maladie grave résultait d'un déséquilibre des humeurs provoqué par l'air vicié de l'habitation. La sédentarité, l'alimentation inadaptée, viandes et poissons séchés, rances ou enfumées, et les rigueurs de l'hiver, toutes choses qui engendraient un sang grossier et mélancolique. Lescarbot fait appel à son talent de poète pour présenter les menus en verre. Mais cet ordre aura la vie courte, puisque Dugas de verra son monopole annulé avant même la fin de celui-ci. Le 24 mai 1607, les habitants de Port Royal apprennent la chose, et cela signifie pour eux un retour en France. Nombreux étaient les marchands qui n'acceptaient pas que le commerce des fourrures ne soit pas libre. Des bailleurs de fonds de Demont avaient quitté euh, sa compagnie, ce qui expliquera que celle-ci soit acculée à la faillite. Au cours du mois des mois de juillet et d'août, les Français quittent ce qu'ils avaient considéré comme un paradis. Demont ne lâche pas. Il avait certes perdu son monopole de la traite des fourrures, mais il tenait à continuer une présence française en Amérique du Nord. Il réussit donc à convaincre le roi Henri IV à lui accorder à nouveau un monopole, mais pour une année seulement. Comme il voulait demeurer en France pour surveiller ses affaires, il nomma Samuel de Champlain son lieutenant pour voir à l'établissement d'un poste de traite à Québec. Le 7 janvier 1608, Henri IV signe les lettres établissant le monopole de demont. Le texte précise les buts visés, et voici lesquels, sur l'avis qui nous a été donné par ceux qui sont venus de la Nouvelle-France de la bonté et de la fertilité des terres du dit pays, et que les peuples de celui-ci sont disposés à recevoir la connaissance de Dieu, nous avons résolu de faire continuer l'habitation qui avait été si devant commencée au dit pays. Afin que nos sujets y puissent aller librement trafiquer. Et sur l'offre que le sieur Demont, gentilhomme ordinaire de notre chambre et notre lieutenant général aux dix pays, nous aurait proposé de faire la dite habitation, en lui donnant quelques moyens et commodités d'en supporter la dépense, nous avons eu, agréable, de lui permettre et assurer qu'il ne serait permis à aucun de nos sujets qu'à lui, de trafiquer de peltries et autres marchandises durant le temps d'un an seulement dans les terres, pays, ports, rivières et avenues de l'étendue de sa charge, ce que nous voulons avoir lieu. Le texte permet aussi, à deux d'arrêter ou de faire arrêter les contrebandiers et de saisir leurs navires, etc. Les contrebandiers de pelleterie ne se soucient guère du monopole de la traite des fourrures accordée par une couronne ou une autre. Ils sont légions en Nouvelle-France tout comme les flibustiers, les corsaires et les pirates dans toute l'Amérique. Ces navigateurs pillent les bateaux de marchandises ennemis au profit de leur roi lorsqu'ils détiennent une lettre de marque. Sinon, ils travaillent à leur propre compte et sont de véritables hors-la-loi, comme les contrebandiers. Samuel de Champlain et sans doute François Gravé Dupont font valoir à Ducadomo plusieurs raisons qui militent en faveur de Québec plutôt qu'en Acadie. L'historien Marcel Trudel résume ainsi ses raisons. On serait mieux à l'abri de la concurrence européenne et le pays serait plus facile à défendre. On profiterait de la Ligue des indigènes alliée à d'autres nations qui vivent sur les bords d'une mer intérieure. La traite promettait d'y être plus fructueuse qu'en Acadie et c'est le Saint-Laurent qui offrait la plus grande possibilité de conduire en Asie. De plus, pour Champlain, une plus grande présence d'indiens faciliterait leur conversion au catholicisme. Pourtant, aucun prêtre ne fera partie de la première traversée. Enfin, le poste de Québec, à cause de l'hiver et du gel des eaux du fleuve Saint-Laurent, était isolé et quasi inaccessible six mois par année. Et il existe toujours à cette époque une certaine rivalité entre la France et l'Angleterre au sujet de leur possession en Amérique du Nord. La fondation de Jamestown en 1607, facilite la formation d'un groupe de colonies anglaises dans la partie sud de l'Amérique. Aussi bien l'Angleterre et la Hollande sont à craindre. De plus, selon Champlain, l'Acadie serait plus difficile à défendre. Elle serait, dit-il, malaisée à conserver à cause du nombre infini de ses ports, ce qui ne se pouvait garder que par de grandes forces. À partir de mi-février 1608. Demont commence à engager ceux qui sont prêts à se rendre à Québec pour travailler à l'établissement d'une habitation en Nouvelle-France dans la partie qui s'appelle Canada, c'est-à-dire la vallée du Saint-Laurent. Quand on parle de la Nouvelle-France, il faut faire attention, le Canada n'est qu'une partie de la Nouvelle-France, parce que la Nouvelle-France comprend, euh, avant 1713, euh, la baie d'Hudson, Terre-Neuve, proprement dite, la région des Grands Lacs et le Canada. Leur engagement des, des, des futurs colons de Québec, sera d'une durée de deux ans. Le contrat d'engagement précise que les signataires s'engagent à servir le Sieur de Mont de leur métier et en toute autre chose que le dit Sieur de Mont ou autre pour lui euh, leur euh, plaira commander. Le contrat fixe aussi le salaire de chacun selon son métier. Les engagés seront nourris la durée de leur entente, soit deux ans. Comme l'écrit David Hackett Fisher, Plusieurs jeunes gens seraient du voyage, et deux d'entre eux allaient jouer un rôle important dans l'histoire de la Nouvelle France, Étienne Brûlé et Nicolas Marsolet. Pour Champlain, il était important que de jeunes Français aillent vivre chez les indigènes pour apprendre leur langue, afin de ne pas être à la merci de traducteurs amérindiens qui parfois déformaient les propos tenus. Celui que plusieurs historiens considèrent comme le premier colon de Nouvelle-France, Louis Hébert, ne s'installera à Québec qu'en 1617, après avoir vécu l'échec de la colonie à Port-Royal et après avoir été capturé par les Anglais. Mais malgré tout, l'apothicaire Louis Hébert deviendra à Québec notre premier procureur du roi, nommé par Champlain lui-même, notre premier pharmacien et agriculteur, le premier père à marier sa fille et aussi notre premier colon à être inhumé. Mais revenons à 1608 et à Champlain, auquel il reste encore nombre de défis à relever. Champlain, qui a été nommé le lieutenant de Demont en Nouvelle-France et Gravé Dupont, quitte le port de Honfleur en direction de Québec au cours du mois d'avril 1608. Le premier effectue la traversée probablement à bord du Don de Dieu et le second commande le Lièvre. Les deux hommes ont des tâches bien précises. Champlain doit établir un poste à Québec. Alors que Gravé Dupont fera la traite des fourrures à Tadoussac et devra ramener en France peaux et poissons pour financer le coût de l'établissement. Ce dernier arrive le premier à Tadoussac. Il y trouve un navire basque qui fait la traite des fourrures malgré l'interdiction royale. Entre Français et Basques, la situation se détériore. Champlain raconte ainsi ce qui s'est passé. Vous allez voir, la citation est un peu longue, mais ça nous permet de mieux comprendre le style de Champlain, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Notre vaisseau ne put entrer dans le port pour n'avoir pas le vent et les marées propres. Je fais aussitôt mettre notre bateau hors du vaisseau pour aller au port voir si Pont Gravé était arrivé. Comme j'étais en chemin, je rencontrai une chaloupe et le pilote... De Pont gravé et un Basque qui me venait avertir de ce qui était survenu pour avoir voulu faire quelques défenses au vaisseau basque de ne traiter, suivant la commission que le sieur de Mont avait obtenue de Sa Majesté, qu'aucun vaisseau ne pourrait traiter sans la permission du sieur de Mont, comme il était porté par celle-ci, et, signific... hein? et que nonobstant les significations que put faire Pont Gravé de la part de Sa Majesté, il ne laissait pas de traiter la force à la main. Et qu'ils s'étaient mis en armes et se maintenaient si bien dans leur vaisseau que, faisant jouer tous leurs canons sur celui de Pont Gravé et tirant plusieurs coups de mousquet, il fut fort blessé et trois des siens, dont il n'en eut un qui mourut, sans que Pont Gravé fît aucune résistance, car dès la première salve de mousquet qu'ils tirèrent, il fut abattu par terre. Fin de la première phrase. Les Basques vinrent à bord du vaisseau et enlevèrent tout, le canon et les armes qui étaient dedans, disant qu'il traiterait nonobstant les défenses du roi et quand il serait prêt de partir pour aller en France, il lui rendrait son canon et ses munitions et que ce qu'il en faisait était pour être en sûreté. Entendant toutes ces nouvelles, continue Champlain, cela me fâcha fort pour le commencement d'une affaire dont euh, nous nous fussions bien passés. Fin de la première citation. Comme un Basque était monté à bord du vaisseau de Champlain, ce dernier lui demande ce qu'il était venu faire. Réponse aucune attaque contre le navire basque. Champlain sera ensuite à terre, rencontré et gravé du pont, qui était mal en point. Nous considérons, Majour de Champlain, que nous ne pouvions entrer au dit port que par force et que l'habitation ne fut perdue pour cette année. Fin de la Puis, le lieutenant de Demont rendit visite au maître du navire basque où il fut bien traité. Il apprendra plus tard que quatre de ses hommes avaient été soudoyés par le basque de Rich. Champlain emploie quelques jours à remonter la rivière Saguenay. Il apprend par des Indiens qu'en 50 jours environ, on peut atteindre une mer salée qui conduit peut-être en Asie le 30 juin dans une barque il quitte Tadoussac pour Québec, laissant le don de Dieu qui ne peut remonter le fleuve. D'ailleurs, il y a une peinture qui représente le don de Dieu devant Québec en 1608, c'est impossible. Tout au long du voyage, il note les différents endroits qu'il voit sur la rive nord. Les lots Yèvres, les lots Coudres, la rivière du Gouffre, Cap de Tourmente, où l'eau commence à être douce, puis l'île d'Orléans. Champlain est surtout intéressé par la chute Montmorency. Il a décrit ainsi du côté nord, elle, donc l'île et l'île d'Orléans est fort plaisante pour la quantité de bois et de prairies qu'il y a. Mais il est fort dangereux d'y passer à cause de la quantité de pointes et de rochers qui sont entre la grande terre et l'île où il y a quantité de beaux chênes et noyers en quelques endroits et à l'embouchure des vignes et autres bois comme nous en avons en France. Ce lieu est le commencement du beau et bon pays de la grande rivière. Au bout de l'île, il y a un torrent d'eau du côté du nord qui vient d'un lac qui vient à quelques dix lieues de dans les terres et qui descend de dessus une côte euh, qui a près de 25 toises de haut, au-dessus de laquelle la terre est unie et fort plaisante à voir. Bien que, dans le pays, on voit de hautes montagnes qui paraissent être éloignées de 15 à 20 lieues. Samuel de Champlain arrive à Québec le 3 juillet 1608. Et comme je le disais au début de ma conférence, depuis ce moment-là, il y a toujours eu une présence francophone en Amérique du Nord. Il faut se demander qui a fondé Québec? La question va se poser pour Montréal l'an prochain. Est-ce Champlain seul? Est-ce Pierre Dugas-Domont? Ou les deux? Mais qui sont ces deux personnages? Commençons par Champlain. On ignore la date de sa naissance. Celle-ci se situe. Entre 1567 et 1580. Plusieurs historiens privilégient l'année 1570. Dans le premier tome du Dictionnaire biographique du Canada, Marcel Trudel écrit Il serait né vers 1570, peut-être en 1567, ou plus tard vers 1580. On a le choix. C'est Liébel qui dit que c'est 1580. Et à ce moment-là, euh, Fisher fait remarquer que c'est peut-être euh, parce qu'on voulait que Champlain ne soit pas trop vieux quand il va marier Hélène Boulay. <laughs> Quant à Fisher, après une analyse détaillée des différentes hypothèses concernant la date de naissance de Champlain, il conclut J'en conclus que Champlain est né vers 1570, plus ou moins quelques années. Ce n'est là qu'un item de ce que l'on appelle l'énigme Champlain. Était-il de naissance noble Fischer se demande si le futur père de la Nouvelle-France ne serait pas un des enfants naturels du roi Henri IV. Il vaut la peine que je cite Fischer à ce sujet. On sait qu'Henri le Grand était généreux envers ses amis, mais les nombreuses gratifications dont Champlain et les siens profitèrent constituaient des actes d'une largesse extraordinaire. On se demande pourquoi. À quoi tenait cette relation particulière entre le grand roi, cette famille aux humbles origines, et ce jeune homme de rang modeste Il se peut également que Champlain et le roi aient eu un lien privilégié. Longtemps, des historiens ont allégué que Samuel de Champlain était le fils illégitime de quelques grands personnages. Une rumeur selon laquelle Champlain était le fils du roi était même parvenue aux oreilles des algonquins de la vallée du Saint-Laurent. L'un d'entre eux aurait affirmé que Champlain le lui avait dit de lui-même. Les Indiens se sont transmis cette croyance par la tradition orale pendant des siècles. Pour Fisher, si Champlain était le fils d'Henri IV, cela expliquerait bien des choses, notamment, ajoute-t-il, la raison pour laquelle, en dépit des recherches de nombreux spécialistes, on n'a jamais trouvé de documents attestant sa naissance ou son baptême. Et le plus récent biographe de Champlain conclut Sans Henri IV, il n'aurait pas eu de Cham le Champlain que nous connaissons. Mais connaissons-nous vraiment Champlain À quoi ressemblait-il Le père de la Nouvelle-France ne nous a laissé aucun portrait officiel de sa personne. Champlain s'est bel et bien représenté dans une gravure illustrant sa victoire au lac Champlain en 1609, mais ses traits de figure sont si imprécis qu'on ne peut y voir une image fidèle. Pire, le portrait le plus connu de Champlain est un faux. Il représente un certain Sieur Michel Particelli d'Emery, un contrôleur des finances de Louis XIII. Comment ce subterfuge a-t-il eu lieu La responsabilité en revient au peintre Louis César Ducornet, en 1854, à qui on avait commandé un tableau pour rendre hommage au fondateur de Québec. Pour répondre à la commande, du cornet copia presque à l'identique un portrait du contrôleur des finances de Louis XIII qui datait de 200 ans. Ensuite, de nombreux peintres s'inspirèrent du portrait de Ducornet, Théophile Hamel, Durkin Holmfeld, le graveur Édouard-Joseph Massicotte et plus près de nous, le peintre Suzor Côté, qui, lui, en Champlain d'une cuirasse de chevalier. Voyons maintenant le rôle joué par Pierre du son biographe, Gris Bino donne à son ouvrage le titre de « Gentilhomme Royanais, premier colonisateur du Canada, lieutenant général de la Nouvelle-France ». Pour ce spécialiste de l'histoire de Royan, il ne fait pas de doute que c'est dugas Domont qui a fondé Québec. Le titre du 17e chapitre est clair, « Pierre Dugas fait fonder Québec par Champlain ». Ce dernier écrit, d'ailleurs, en parlant de Demont, « Je le conseillais… » Et lui donner avis de s'aller loger dans le grand fleuve de Saint-Laurent, duquel j'avais une bonne connaissance. Il s'y résolut. Or, ah, après que, par plusieurs fois, le sieur de Mont m'eut discouru de son intention touchant les découvertures, prit résolution de continuer une si généreuse et vertueuse entreprise, quelques peine et travaux qu'il y eut par le passé. Il m'honora de sa lieutenance pour le voyage. Fin de la citation de Champlain. gars de Mont n'est pas présent. Lors de la Fondation de Québec, il était déjà d'ailleurs allé en Acadie. Auparavant, il avait remonté le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Tadoussac avec Chauvin et Gravé-du-Pont. Et il avait trouvé l'hiver trop rigoureux, comme je l'ai dit. En 2008, lors des célébrations marquant le 400e anniversaire de la Fondation de Québec, Pierre Dugas-Demont fut considéré comme le cofondateur de la ville. Dans son Histoire de la Nouvelle-France, Trudel avait déploré le fait que Demont avait été injustement oublié. C'est lui, ajoute-t-il, qui, à ses frais, envoie Champlain construire l'habitation de Québec et qui en assure le maintien jusqu'en 1612. Et l'historien conclut Sans Demont, on peut présumer qu'il n'y pas eu de Champlain. C'est la deuxième fois qu'on dit que sans le roi, pas de Champlain et sans Demont, pas de Champlain. Bon, arrivé à Québec, la première démarche de Champlain est de choisir un endroit pour construire une habitation. Je n'en plus trouver de plus euh, commode ni de mieux situé que la pointe de Québec, ainsi appelée des sauvages, laquelle était remplie de noyers. Aussitôt, j'employai une partie de nos ouvriers à les abattre pour y faire notre habitation, l'autre à scier des haies, cest des planches, l'autre à fouiller la cave et faire des fossés, et l'autre à l'éclairer nos commodités à Tadoussac avec la barque. La première chose que nous fîmes fut le magasin pour mettre nos vives à couvert, ce qui fut promptement fait. Par la diligence de tout un chacun et le soin que j'en eus. Dans quelques instants, nous verrons euh, que Champlain a échappé à un complot. Mais auparavant, arrêtons-nous à la construction de l'habitation telle que décrite par celui qui commandait euh, la place. Je fis continuer notre logement qui était de trois corps de logis à deux étages. Chacun contenait trois toises de long et deux et demi de large. Bien, une toise, euh, ça mesurait six pieds. Soit près de deux mètres, avec une belle cave de six pieds de haut. Tout autour de nos logements, je fis faire une galerie par dehors au second étage, qui était fort commode, avec des fossés de quinze pieds de large et six de profondeur. Et au dehors des fossés, je fis plusieurs pointes d'éperons qui enfermaient une partie du logement, là où nous mîmes nos pièces de canon. Et devant le bâtiment, il y a une place de quatre toises de large et six ou sept de long qui donnent sur le bord de la rivière, c'est-à-dire le fleuve Saint-Laurent. Autour du logement, il y a des jardins qui sont très bons, et une place du côté du septentrion qui a quelques cent ou cent vingt pas de long, cinquante à soixante de large. Fin de Champlain devait se rappeler de son séjour à Port-Royal alors qu'il créait l'ordre de bon temps. Il s'était alors rendu compte que si on mangeait frais, et non des légumes ou des viandes salées, on se portait mieux. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il se dépêcha de faire des jardins. Il l'écrit d'ailleurs dans le second livre de ses œuvres. Et je le cite Pendant que les charpentiers, sieurs de planches et autres ouvriers travaillaient à notre logement, je fis mettre tout le reste à défricher autour de l'habitation afin de faire des jardinages pour semer des grains et graines euh, pour voir comment le tout succéderait d'autant que la terre paraissait fort bonne. Son dessin de l'habitation indique la présence de six jardins. Il fait semer du blé, puis du seigle. Il fait transplanter des vignes sauvages, des vignes locales, espérant pouvoir faire du vin. Plus tard, Pierre Boucher parlera du vin que l'on fabrique avec les raisins de ses vignes. Et il écrit Un gros rouge qui tache. <laughs> 1664 dans l'histoire véritable et naturelle de la Nouvelle-France, c'est où le Canada? C'est quelques jours après son arrivée à Québec que Champlain échappe à la mort. Il parle de quelques jours euh, que je fus au dit Québec. Fischer situe l'événement à la fin de l'été et au début de l'automne 1608. Il contredit ainsi son personnage. Laisse encore une fois Champlain décrire lui-même ce qui est arrivé. La citation est un peu longue, mais elle vaut la peine qu'on s'y arrête. Car l'événement est peu connu et il aurait pu avoir des conséquences tragiques. Et je le cite Il y eut un serrurier qui conspira contre le service du roi, qui était, m'ayant en fait mourir et s'étant rendu maître de notre fort, le mettre entre les mains des Basques ou Espagnols, qui étaient pour lors à Tadoussac, où les vaisseaux ne peuvent passer plus outre pour n'avoir la connaissance du passage, ni des bancs et des rochers qu'il y a en chemin. Pour exécuter son malheureux dessein, sur l'espérance de faire ainsi sa fortune, il suborna quatre de ceux qu'il croyait être des plus mauvais garçons, leur faisant entendre mille faussetés et espérance d'acquérir du bien. Après que ces quatre hommes furent gagnés, ils promirent chacun de faire en sorte que d'attirer le reste à leur dévotion, et que pour lors, je n'avais personne avec moi avec qui j'eusse fiance. Donc confiance. Ce qui leur donnait encore plus d'espérance de faire réussir leur dessein, d'autant que quatre ou cinq de mes compagnons euh, en qui ils savaient que je me fiais étaient dedans les barques pour avoir égard à conserver les vivres et commodités qui nous étaient nécessaires pour notre habitation. Enfin, ils surent si bien faire leur mener avec ceux qui restaient qu'ils devaient les attirer tous à leur dévotion et même mon laquais leur promettant beaucoup de choses qu'il ne sut accomplir. Étant donc tous d'accord, ils étaient de jour en jour en diverses résolutions, comment ils me feraient mourir pour l'en pouvoir être accusé, ce qu'ils tenaient difficile. Mais le diable, leur bandant tous les yeux et leur ôtant la raison et toute la difficulté qu'ils pouvaient avoir, ils arrêtèrent de me prendre au dépourvu d'armes et de m'étouffer, ou de donner la nuit une fausse alarme, et comme je sortirais, de tirer sur moi. Et que par ce moyen, ils auraient plutôt fait qu'autrement. Tous promirent les uns aux autres de ne pas se découvrir sous peine que le premier qui ouvrirait la bouche serait poignardé. et dans quatre jours, ils devaient exécuter leur entreprise avant que nos barques fussent arrivées, car autrement ils n'eussent pu venir à bout de leur dessein. Ce même jour arriva l'une de nos barques où était notre pilote appelé le capitaine le Têtue, homme fort discret. Après que la barque fut déchargée et prête à s'en retourner à Tadoussac, il vint à lui un chirurgien appelé Noré, N-O-R-A-Y, compagnon de Jean Duval, chef de la trahison, qui lui dit qu'il avait promis aux autres de faire tous ainsi qu'eux, mais qu'en effet, il n'en désirait pas l'exécution et qu'il n'osait pas s'en déclarer. Et ce qui l'en avait empêché était la crainte qu'il avait dit qu'il le poignarderait. Après qu'Antoine Noré eut fait promettre aux dix pilotes de ne rien déclarer de ce qu'il dirait, d'autant que si ses compagnons le découvraient, il le feraient mourir. Le pilote l'assura de toute chose et qu'il lui déclara le fait de l'entreprise qu'il désirait faire, ce que Noré fit tout au long, lequel pil pilote me dit, « Mon ami, vous avez bien fait de découvrir un dessein si pernicieux, et vous montrez que vous êtes homme de bien et conduit du Saint-Esprit. » Mais ces choses ne peuvent passer sans que le sieur de Champlain le sache, pour y remédier. Et je vous promets de faire tant envers lui euh, qu'il vous pardonnera et à d'autres. Et de ce pas, dit le pilote, je le vais trouver sans faire semblant de rien. Et vous, allez faire votre besogne et attendez toujours ce qu'ils diront et ne vous souciez du reste. Aussitôt, le pilote me vint trouver en un jardin que je faisais accommoder. Et il me dit qu'il désirait me parler en un lieu secret, où il n'y eut que nous deux. Je lui dis que je le voulais bien. Nous allâmes dans le bois, où il me conta toute l'affaire. Je lui demandai ce qui lui avait dit. Il me pria de pardonner à celui qui, qui lui avait déclaré ce que je lui accordais, bien qu'il dût s'adresser à moi. Il craignait, dit-il, que vous vous missiez en colère et que vous lui offensé. Je lui dis que je savais mieux me gouverner que cela en de telles affaires, et qu'il me fit venir pour l'entendre parler. Il y fut et le mena tout tremblant de crainte qu'il y avait que je lui fisse quelque déplaisir. Je l'assurai et lui dis qu'il n'eut point de peur et qu'il était en lieu de sûreté, et que je lui pardonnais tout ce qu'il avait fait avec les autres, pourvu qu'il dit entièrement la vérité de toutes choses et le sujet qui les avait mis. Rien dit-il, sinon qu'il s'était imaginé qu'en rendant la place entre les mains des Basques ou Espagnols, ils seraient tous riches et qu'ils ne désiraient plus aller en France et me comptaient le surplus de leur entreprise. Après l'avoir entendu et interrogé, je lui dis qu'il s'en alla à ses affaires. Cependant, je commandai au pilote qui fit approcher sa chaloupe, ce qu'il fit. Et après, je donnai deux bouteilles à un jeune homme et qui devait aller dire à ses quatre galants principaux de l'entreprise que c'était du vin de présent que ses amis de Tadoussac lui avaient donné et qu'il leur en voulait faire part. Ce qu'ils ne refusèrent, et furent sur le soir à la barque, où je leur devais donner la collation. Je ne tardai pas beaucoup après à y aller, et je les fis prendre et arrêter, attendant le lendemain. Mais voilà que me, donc mes galants bien étonnés. Aussitôt, je fis lever un chacun, car il était sur les dix heures du soir. » et leur pardonner à tous, pourvu qu'ils me disent la vérité de tout ce qui s'était passé, ce qu'ils firent, et après je les fis retirer. Le lendemain, je pris toutes leurs leur dépositions les uns après les autres, devant le pilote et les mariniers du vaisseau, lesquels je fis coucher par écrit, et ils furent fort aises à ce qu'ils dirent, d'autant qu'ils ne vivaient qu'en crainte pour la peur qu'ils avaient les uns des autres, et principalement de ces quatre coquins qui les avaient séduits, et... Depuis, ils vécurent en paix, se contentant de tra du traitement qu'ils avaient reçu, comme ils déposèrent. Ce jour, je fis faire six paires de menottes pour les auteurs de la sédition, une pour notre chirurgien appelé Bonherme, un autre pour un autre appelé La Taille, que les quatre séditieux avaient chargé, ce qui se trouva néanmoins faux, ce, ce qui fut occasion de leur donner la liberté. Ces choses étant faites, j'ai mené mes galandes à Tadoussac et prié pour gravé de me faire ce bien de les garder, d'autant que je n'avais encore de lieu de sûreté pour les mettre et que nous étions empêchés à édifier le euh, logement et aussi pour prendre résolution de lui et d'autres du vaisseau, de ce que nous aurions à faire là-dessus. Nous avisâmes qu'après qu'ils auraient fait ces affaires à Tadoussac, ils s'en viendraient à Québec avec les prisonniers où nous leur ferions confesser devant leurs témoins. Et après les avoir entendus, ordonné que la justice en fût faite selon le délit qu'ils auraient commis. Je m'en retournais le lendemain à Québec pour faire diligence de parachever notre magasin pour retirer nos vives qui avaient été abandonnés à, 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 tous, euh, à, à tous ces bélitres qui n'en épargnaient rien, sans considérer euh, qu'ils en pourraient trouver d'autres quand cela manquerait, car je ne pouvais donner remède avant que le magasin ne fût fait et fermé. Champlain, Amène les cidicieux à confesser leur projet d'assassinat. Certains maudissent ce Jean Duval qui avait agi comme le chef. Et retournons donc au texte de Champlain. Le dit Duval ne sut que dire, sinon qu'il méritait la mort et que le contenu des informations était véritable et qu'on eut pitié de lui et des autres qui avaient adhéré à ses pernicieuses volontés. Après que Pont -Gravé et moi, avec le capitaine du vaisseau, le chirurgien, maître, contremaître et autres mariniers, nous eûmes entendu leurs dépositions et confrontations. Nous avisâmes que ce serait assez de faire mourir le dit Duval comme le motif de l'entreprise et aussi pour servir d'exemple à ceux qui restaient de se comporter sagement à l'avenir en leur devoir, et afin que les Espagnols et Basques, qui étaient en quantité au pays, n'en fussent trop, et les trois autres condamnés à être pendus, et cependant les ramener en France entre les mains du Sieur de Mont pour être fait plus ample justice selon qu'ils aviseraient. Avec toutes les informations et la sentence, tant du dit Duval qui fut pendu et étranglé au dit Québec et sa tête mise au bout d'une pique pour être placée au lieu le plus éminent de notre fort, que des trois autres renvoyés en France. Et c'est comme ça qu'est né Québec. Ben non, applaudissez pas parce qu'il est mort. <laughs> Gravé Dupont qui était à Doussac le 19 septembre suivant. Ramenant en France les trois complices de Duval. Il passait quelques mois emprisonné avant d'obtenir la grâce royale. Bien que Champlain fasse un exemple de Duval, il fait preuve de clémence pour ses complices. Cette gentillesse est un trait de caractère plus d'une fois décelé chez Champlain par l'historien Marcel Trudel, qui a scruté ses écrits pour décrypter la personnalité de cet homme toujours avare de détails sur sa vie privée. Champlain est à la fois un homme entêté et jovial, qui aime la bonne vie et qui se comporte envers les indigènes avec la plus parfaite bonhomie, les faisant rire constamment, usant du pardon à leur égard dans des circonstances qui nous étonnent. Il aime mieux se les attacher que de les punir. Ainsi était le père de la Nouvelle-France. Sans doute fallait-il une grandeur d'âme pour bâtir un nouveau pays. On pourrait se demander ce qui serait arrivé si Duval et les trois autres avaient réussi à assassiner Samuel de Champlain. Comme c'était Pierre dugas -de -Mont qui finançait l'habitation et qu'il avait mis sa confiance en Champlain, aurait-il trouvé quelqu'un d'autre? La fondation de Québec aurait-elle été compromise ou tout simplement annulée? Il y a un proverbe chinois qui affirme qu'un historien, c'est un prophète tourné vers le passé. Je laisse à d'autres le plaisir de formuler des réponses à savoir ce qui serait survenu à Québec si Champlain était décédé suite à un attentat. Nous avons vu qu'en 1603, le chef montagnais Anadabijou avait, disons, autorisé les Français à s'établir dans la vallée du Saint-Laurent. Vers la fin de l'été 1608, des montagnais viennent visiter l'installation des Français et lui aussi la venue d'Algonquin. Fisher note qu'au cours de l'été et de l'automne 1608, Champlain et les Indiens du Saint-Laurent contactèrent donc une alliance, mais avec des objectifs dissemblables accord qui allait peser longtemps sur le cours des choses. Heureusement, la région de Québec séduit Champlain. Pour ce qui est du pays, écrit-il, il est beau et plaisant et apporte tous de grains et graines à maturité et ayant de toutes les espèces d'arbres que nous avons en nos forêts par-dessus et quantité de fruits, bien qu'ils soient sauvages, pour naître cultivés, comme noyers, cerisiers, prunier, vignes, framboises, fraises, groseilles vertes et rouges et plusieurs autres petits fruits qui y sont assez bons. Et aussi, y a-t-il plusieurs sortes de bonnes herbes et racines? Bien, les racines, ce sont des légumes qui poussent dans la terre. Euh, quand on était petit, on, on disait toujours que la famine avait été à Québec, qu'on avait été obligé de manger des racines. Puis nous, on pensait qu'il était obligé de déterrer des racines. Ben non, c'est les carottes, les navets. Et Champlain ajoute La pêche de poisson y est en abondance dans les rivières où il y a quantité de prairies et gibier qui est en nombre infini. Le pays est certes beau. Mais le premier hiver à Québec a été désastreux. Scorbut et dysenterie sont, seront responsables du décès de plusieurs. Champlain en fait mention dans la seconde partie de son récit. Les maladies de la Terre, écrit-il, commencèrent à prendre fort tard, qui fut en février jusqu'à la mi-avril. Il en fut frappé 18 et il en mourut dix, et cinq autres de la dysenterie. Je fis faire ouverture de quelques-uns, donc il, il a fait un genre d'autopsie, pour voir s'ils étaient offensés comme ceux que j'avais vus dans les autres habitations. On trouvait la même chose. Quelque temps après, notre chirurgien mourut. Tout cela nous donna beaucoup de déplaisir pour la peine que nous avions à penser les malades. Le 5 juin 1609 arrive à Québec le genre de Gravé-Dupont. Il ne trouve que huit survivants sur les 28 qui demeuraient dans l'habitation. On lui apprend que son beau-père était à Tadoussac. Champlain décide alors d'aller le rencontrer. Gravé Dupont lui dit que le Sieur de Mont lui demande de rentrer en France et d'aller le voir. Mais avant de traverser l'océan, Champlain décide de se rendre dans le pays des Iroquois en compagnie de Montagnais. J'irai dans une chaloupe avec vingt hommes. Je fis accommoder une chaloupe de tout ce qui était nécessaire pour faire les découvertes du pays des Iroquois, où je devais aller avec les Montagnais, nos alliés. Des Algonquins et des Hurons se joignirent aux Montagnais et aux Français. À la fin du mois de juillet, Champlain et les deux Français qui l'accompagnent s'apprêtent à combattre les Iroquois. Ce sont les seuls à posséder des arquebuses. L'engagement se terminera par une victoire. Champlain venait de remplir la promesse du roi Henri IV, mais le cofondateur de Québec, si l'on tient compte du rôle joué par Pierre Dugaudemont, ne se doutait pas qu'il venait de poser un geste qui pesera lourd dans les décennies à venir. Dans ses voyages de Samuel de Champlain, publié aux presses de l'Université Laval de France en 1951, l'historien Hubert Deschamps explique ainsi que Champlain ne pouvait pas faire une alliance avec des Indiens. Si l'on voulait pouvoir s'installer dans le pays, y trafiquer, découvrir l'origine des fleuves et peut-être la, la, la route de la Chine, il, faisait, il fallait se lier avec les sauvages d'une amitié solide et véritable. Or, l'expérience de Champlain lui avait appris qu'on pouvait y parvenir seulement. En leur rendant service. Il avait noté que, les sauvages du Maine, que de, de, chez les sauvages du Maine que ces nations ne donnent qu'en donnant, si ce n'est à personne qu'il les ayant obligés, comme de les avoir assistés en leur guerre. Plusieurs colons reconnaissaient l'intelligence et les qualités des Amérindiens. À ce propos, le père François Duperron dira ils ont quasi tous plus d'esprit en leurs affaires, discours, gentillesse, rencontres, souplesse et subtilité que les plus aisés des bourgeois et marchands de France. Dans le livre Canada-Québec 1534-2000, les historiens Denis Vaugeois, Jean Provenché et Jacques Lacourcière racontent qu'un chef se doit d'être très éloquent, d'une éloquence simple et nue. Champlain respectait les peuples autochtones et savait que sans eux, nous ne pourrions survivre, explorer et construire le nouveau monde. L'automne 1609 voit Champlain en France. Il rencontrera le sieur de Mont ainsi que le roi. Ce dernier n'acceptera pas de renouveler le monopole de de Monts et pendant des années, Québec ne sera exclusivement, selon l'historien Marcel Trudel, qu'un hangar à fourrure. Pour moi. C'est soit à la fin de l'année 1617 ou au début de l'année suivante que Samuel de Champlain se mérite le titre de Père de la Nouvelle-France. Pour la première fois, il trace le portrait des ressources que l'on peut tirer de la colonie. Son énumération aurait dû séduire les membres de la Chambre du Commerce, mais l'intérêt de ces messieurs était ailleurs. Laissons à David Hackett Fisher le soin de tirer une conclusion. La plus grande réalisation de Champlain, firme-t-il, n'était pas, pas sa carrière d'explorateur, ni sa réussite comme fondateur. Ce qu'on retient de lui, c'est le leadership exemplaire qu'il a mis au service de l'humanité. C'est ce qui a fait de lui une figure d'envergure dans l'histoire moderne. C'est l'héritage qu'il nous a laissé à tous. Il faut souligner en terminant que Samuel de Champlain avait beaucoup de respect pour les Premières Nations. Il ne fait pas de doute que pour lui, ceux qu'on appelait encore les sauvages étaient des humains comme lui. Comme le fait remarquer Gilbert Pileuil, si Champlain emploie le terme sauvage pour les désigner, comme tous les gens de son époque, c'est non pas pour opposer des gens de culture à des gens de nature, mais parce qu'il constate que leur culture est celle de personnes vivant en pleine symbiose avec la nature. Merci. C'est ainsi que se termine la première émission de notre série 10 Journées qui ont fait le Québec. À la prochaine!